Et nous poursuivons la discussion avec Luc Lavoie. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, comme Sylvain vient de le dire, le premier ministre israélien a dit on est vraiment, une vraie guerre s'annonce, on commence une guerre, c'est pas seulement une opération. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Bon, on doit en comprendre qu'on est devant un, un, une question d'escalade qui risque de devenir extrêmement dangereuse, parce que Hamas est une organisation d'origine islamiste qui a pris le pouvoir étonnamment. En étant élus, ils ont été élus démocratiquement dans une élection qui a été reconnue par les observateurs internationaux comme étant juste. Alors, ils ont été élus en 2006, Hamas, et ils règnent sur Gaza, qui est une bande de terrain qui a été longtemps occupée par Israël, mais que l'Israël a balancé, si on veut, en 2005 ou 2006, en disant on ne veut plus en entendre parler. Depuis ce temps-là, Hamas. Règne sur le, sur le secteur et il y a 2 millions de personnes qui vivent là. C'est la plus haute densité de population au monde. Alors, ce qui est arrivé ce matin, 6h30 le matin, c'est du jamais vu parce que c'était une attaque coordonnée. Mmh. L'attaque est venue d'abord d'une explosion sur les barrières qui entourent Ga Gaza. L'attaque est venue par des pick-up et des motocyclettes et des Sidoux. Et de tout ce que vous voulez, mmh. des drones, ont... et 5000 roquettes ont été lancées et ça semblait être professionnellement très, très organisé et ça semblait aussi s'appuyer sur de l'armement extrêmement moderne. Alors, on pense que Hamas, ayant une sorte d'affiliation. Un peu étrange avec Hezbollah, le groupe qui est basé au Liban. Et Hezbollah dit être en contact avec Hamas. Alors, il y a un danger que cette guerre devienne régionale, qu'elle sorte des frontières et qu'elle devienne absolument un massacre. Et c'est pendant une fête juive également qu'on a fait ça. Bien, voilà. Et il y a 50 ans et un jour, au Yom Kippour, euh, les pays arabes, avec en tête l'Égypte et la Syrie, ont attaqué Israël. Une guerre qui a duré trois semaines et où Israël a failli se faire tasser, si on veut. On, il y a un aspect symbolique donc à ce qui est arrivé aujourd'hui. 50 ans et un jour plus tard, au Yom Kippour, alors que c'est la plus importante des fêtes juives dans le calendrier, alors c'est le moment où les gens sont pas au travail ou les soldats j'imagine sont moins vigilants ou euh, enfin il s'est passé la même chose qu'en 1973 surprise totale et à l'heure actuelle personne les experts se disent mais qu'est-ce qui a donc pu se passer parce que Gaza c'est peut-être l'endroit de la planète Terre le plus surveillé par des satellites par des espions par de toutes les façons, des caméras cachées, tout ce que vous voulez, et personne n'a rien vu venir, et tout à coup, c'était super bien coordonné. 6h30 du matin, bang, 5000 roquettes qui partent, les pick-up, les motocyclettes, on prend des otages, et, et il y a quelque chose aussi dans les conflits de cette région, et celui-là est particulièrement remarquable pour cela. Il y a entre les deux combattants, entre les deux forces, une haine véritable. Alors les images qu'on a pu voir d'enlèvements sur la rue, de civils qu'on a embarqués de force dans des jeeps et tout pour les avoir comme otages, il y a, il y a non seulement l'enlèvement, mais il y a une sorte de haine dans les yeux, dans le regard, dans les gestes. C'est vraiment une situation absolument inhumaine. Et parlez-nous des conséquences géopolitiques, ça pourrait ressembler à quoi? Ça pourrait ressembler, à, à l'heure actuelle, il y a des négociations extrêmement euh, intensives pour que l'Arabie saoudite renoue, pas renoue, noue des liens diplomatiques avec Israël. Et c'était sur le point d'aboutir. Et c'était très important dans la stratégie américaine pour la région, l'Arabie saoudite étant son principal allié dans cette région du monde. Est-ce que l'Arabie saoudite, dans les circonstances que l'on vit, va vouloir retourner à table? On peut avoir des doutes. Et que fera l'Iran, qui a toujours souhaité ouvertement et officiellement la destruction de l'État d'Israël et son bras armé qui s'appelle Hezbollah Que vont-ils faire Est-ce que tout ça va finir par exploser Que fera l'Égypte, qui a une frontière avec Gaza Tout ça est en... Comment dire Tout le monde est en train de supputer, d'essayer oui. de prévoir, mais je vous avoue que c'est pas facile. Et est-ce que la Russie pourrait avoir un rôle à jouer? Ben jusqu'à maintenant, ça n'a pas été soulevé, mais c'est intéressant que vous posiez la question. Parce que la Russie s'est installée dans cette région du monde en allant aider Bachar el-Assad en Syrie. Donc, c'est juste à côté. Là. On parle ici de distance qu'on qu ne peut pas comprendre ici au Canada. C'est juste à côté. Là. Et la Russie, donc, a une base militaire, a une base aérienne, a une base navale. Est-ce qu'ils vont décider de se mettre le doigt là? Parce que la Russie, à l'heure actuelle, veut assumer son rôle mondial de grande puissance. On sait ce qui se passe en Ukraine que feront-ils On se pose la question. Et le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir demain en urgence et on a dit on, à la communauté internationale là, on veut des efforts diplomatiques pour éviter là, un élargissement du conflit. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire Qu'est-ce que ça, à quoi peut ressembler la réunion demain d'abord la réunion du Conseil de sécurité c'est devenue un peu euh... Ça sert à rien. Un peu ringard. Tu sais, ils se réunissent, puis ils se disent <laughs> des trucs, puis ils se racontent des histoires. Mais pendant ce temps-là, il va y avoir derrière les portes closes et loin des caméras des gens qui vont se parler pour dire attention, là, ça ne peut pas aller beaucoup, beaucoup plus loin. Là, parce que tout ça, ça peut embraser le reste des territoires occupés qu'on appelle la Cisjordanie. Là. Si le feu prend là aussi, ça va devenir quelque chose d'absolument catastrophique. Est-ce que ça vous inquiète? Hein? beaucoup ça m'inquiète énormément j'étais parmi ceux et les États-Unis en gros étaient aussi de cet avis-là que avec les accords d'Abrahams ou qui ont été signés sous le gouvernement de Trump où il y a eu de nouveaux pays arabes qui se sont joints ou qui ont noué des relations diplomatiques avec Israël on avait l'impression que pour le meilleur et pour le pire ils allaient arrêter de se tirer dessus mm. mais là ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'on est très loin de ça Luc Lavoie, merci d'avoir pris le temps merci.